Voilà. Tu veux pas t'arrêter, tu t'arrêtes. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc une nouvelle vidéo donc d'achat, donc avec ce que j'ai eu, donc que j'ai acheté moi et de la part de Arnaud. Et donc l'unboxing que j'ai déjà fait, donc avec les donc des DVD, donc voilà. Donc en loose de Raphaël, voilà. Donc très très content, voilà, de ce qu'il m'a envoyé, vous allez voir. On va voir ça ensemble, et donc bah, vous allez voir, donc pour les DVD, donc les coffrets, c'est un seul genre, voilà, donc un seul genre, donc pour vous aider avant, donc c'est un genre, donc c'est des animés bien sûr, mais bah, pas des animés normales comme, je sais pas, parce que je viens à l'idée, des animés comme, je sais pas, les Simpsons, trucs comme ça, c'est pas ça, c'est un autre genre. Donc de toute façon, dès que vous allez voir le premier coffret, vous allez faire voir. Mais même si vous aimez pas le premier animé, quoi, restez, parce qu'il y en a, un, c'est sûr, que tout le monde connaît. Voilà, je ne m'en fais pas truc, je sais que tout le monde connaît. Donc voilà, c'est un classique, quoi. Donc voilà, rien d'autre à dire de plus. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un week-end de 3 jours là. Donc pour se reposer, donc bah, c'est cool, quoi. Voilà, et donc voilà, donc bah, comme d'habitude, grosse dédicace à tous les gens de mon groupe, à Noah, voilà, à Raphaël, à qui d'autre, à Jonathan, et puis voilà, tous ceux du groupe, comme d'habitude, voilà, et voilà, bah, dédicace à Arnaud, voilà, un gros merci à lui pour les cadeaux. Et on va commencer donc par les films que m'a envoyé Raphaël. Donc il m'a envoyé, attendez, je regarde. Hop. Il m'a envoyé donc, je vous dirai ce que j'ai fait des bonus après, il m'a envoyé la première et deuxième partie donc de Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Voilà, donc j'ai tous les Seigneurs des Anneaux, j'ai les trois, donc très content. Donc il y avait les DVD bonus que j'ai passé à mon cousin, parce que lui avait les deux tours, donc Seigneur des Anneaux, mais en... une édition simple, et lui, comme il regarde lui, c'est un fan, enfin un fan, c'est un qui regarde les bonus, donc je lui ai passé, je l'ai vu tout à l'heure, je lui ai dit tiens, j'ai eu ça aussi, l'autre fois je l'avais passé, ceux qui m'intéressaient pas dans les DVD que Raphaël m'avait, parce que j'en avais que j'avais déjà en boîte et que lui n'avait pas, et d'autres que films qui ne m'intéressaient pas, donc j'ai passé à lui. Lui, voilà, il n'a pas vu beaucoup non plus. Et pas comme moi, il n'en a pas vu énormément. Je vais passer. Et là, je vais passer les bonus. Comme ça, il les met dans son DVD. Donc moi, j'ai les deux. Très content. Comme ça, j'ai, bah, j'ai la trilogie, quoi. Et ensuite, donc, c'est un animé, donc un manga très connu. C'est Cobra. Voilà, donc l'intégrale. Donc là, on a le disque 1. Voilà, le disque 2. Le disque 3. Le disque 4. Et donc le dernier, le disque 5. Voilà. Donc un animé vraiment très 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 connu. Que moi je m'en souviens pas. J'ai vu quelques épisodes déjà. Mais voilà, je sais que c'est très bon. C'est ancien, c'est très bon. Et chez Carnot, on avait parlé que c'était. Il m'avait dit si j'avais déjà vu, je dis ouais, je me rappelle plus. Il m'a dit bah quand tu trouves, prends-le parce que c'est énorme. Et j'ai dit allez, je prendrai. Donc là je l'ai pris. Donc voilà. Donc. Très très content, voilà, pour tout ça, donc pour le Seigneur des Anneaux et Cobra. Donc un gros gros merci à Raphaël. Voilà, donc voilà. Et on va commencer donc par le premier coffret que donc Arnaud m'a offert. Donc c'est l'intégrale donc d'un animé. Là, donc je pense que certaines personnes doivent connaître. C'est l'intégrale donc de Berserk. Voilà, donc très très content, très beau intégrale, donc édition Gold. Voilà, donc 9 DVD, voilà, donc d'épisode 1 à 25. Voilà, donc série très très connue, voilà, très très gore aussi. Vous pouvez voir déjà à l'image, très belle image d'ailleurs. Voilà, très gore, donc hop, voilà. Et donc, voilà, donc les 9 DVD, hein, repartis comme l'autre fois, hein, je vous avais montré, voilà. Je vous avais montré, voilà, c'est des DVD que vous poussez comme ça, donc hop. Voilà, donc des DVD tout ce qu'on pousse comme ça, voilà, hop, c'est l'autre, c'est pareil, donc voilà, donc et donc un petit livret, voilà, donc qui raconte donc l'histoire, l'introduction,
l'histoire du manga. Donc je peux vous lire que moi je l'ai pas, j'ai pas tout vu non plus. Donc dans la ville fortifiée de Midland, un nouveau roi a pris le pouvoir par la traîtrise et la violence. Ses troupes démoniaques massacrent impunément les habitants, faisant régner la terreur, jusqu'au jour où un guerrier couvert de cicatrices arrive pour régler ses comptes avec le nouveau monarque. Des années auparavant, Guts, un jeune soldat qui risque sa vie sur les champs de bataille afin de gagner un peu d'argent, fait la rencontre de Griffith, un mercenaire charismatique et ambitieux bien décidé à se faire connaître. Ensemble, ces deux guerriers redoutables vont à jamais changer le destin de Midland. Voilà. Donc, voilà, après, c'est des anecdotes. Voilà, l'auteur. Voilà, ensuite, des petites photos. Très belles photos, d'ailleurs. Voilà, c'est un très bon animé, voilà. Bien, bien gore. Moi, j'adore ça, moi. Et donc, voilà. Donc, le petit livret, donc, complet. Hein, voilà, c'est complet. Donc, hop. Voilà. Donc, ce coffret, donc, que, de toute façon, je connais le prix, vu qu'on a, on a pris sur le bon coin. Donc, le coffret, 5 euros. Voilà, donc, 5 euros pour un coffret comme ça, intégral, en plus en super état, vraiment pas abîmé ni rien. Donc, voilà, ça vaut le coup. Donc, Berserk. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des mangas. Donc, voilà, vous aurez su que c'était des mangas. Que bah, je vous présente. Voilà, donc le premier Berserk. Donc hop, alors attends, juste avant, donc j'en sorte un. Pour vous montrer après, hop, personne n'a vu. Si, et si vous avez vu, si vous avez vu, il faut que j'arrête de. Donc je parle français. Et bah, vite que vous n'avez pas vu. Donc ensuite, donc c'est pour moi le meilleur manga qui existe. Voilà, qui existe. Bien avant même DBZ, je regardais ça. Je regardais ça quand j'étais tout petit. C'est donc. Albator, voilà, donc Albator 84, voilà, donc la deuxième série, donc j'ai la première, Albator 78, voilà, c'est ça que, voilà, Albator 78, ma préférée, mais voilà, Albator 84 que je regardais aussi, donc vraiment énorme, voilà, donc ça a été, alors c'est fait par, alors laissez-moi retrouver le nom, c'est Leiji Matsumoto, voilà, donc qui a créé Albator. Et donc voilà, Albator 84, donc dans un coffret édition Gold, pareil, édition Collector. Donc c'est pas la même édition, là c'est fait par Dash Image, et là donc ça c'est D-Bex, voilà, qui fait ces coffrets-là, c'est un autre coffret Collector. Donc voilà, donc bah, l'histoire donc, d'Albator, voilà, donc avec dedans donc le film L'Atlantis de ma jeunesse, et donc la série TV en... Version originale sous-titrée français et en version française non censurée. Voilà, donc un coffret dur. Je sais, je le tape là, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et parce que j'ai tapé là, parce que j'avais la flemme de poser le truc, mais finalement je l'ai posé. Donc voilà, l'équipage, Albator. Voilà, hop. Et donc c'est pareil, ça s'ouvre pareil, hein, c'est le même à chaque fois, donc c'est les mêmes trucs, voilà, c'est les mêmes systèmes. Je trouve que c'est sympa ces systèmes d'ouverture comme ça. Ça abîme moins que... oui, oui. Donc voilà l'intégrale. Donc l'intégrale des... De combien d'épisodes Je vais vous dire ça. Si j'arrive à... Alors, je crois que c'est 24, si je me trompe pas. Presque 27 à 3 épisodes. Bah, 3 épisodes, c'est 3 épisodes. Donc voilà un petit livret pareil hein, qui raconte donc le film et les mangas, les personnages, le film pilote, la série, les épisodes, Leiji Matsumoto et Tokinoa. Voilà, donc le film pilote, donc c'est L'Atlantis de ma jeunesse. Donc c'est en fait, faut voir ce film avant de voir Albator 84. Et moi, donc le vendeur sur le bon coin n'avait pas dit que le film était dedans. Et puis moi, quand j'ai lu derrière et qu'il disait que. Qu'il fallait le. Non, c'est pas ça, c'est dans. Je me rappelle qu'il fallait le film. Et j'ai lu. Parce que j'étais rentré, en fait, dans le train, je lisais. Et je lisais ce qu'il disait sur Albator. Il disait qu'avant de voir Albator 84, il fallait voir L'Atlantis de ma jeunesse. Donc j'ai dit, bon, chez moi, je regarderai s'il n'y a pas des annonces. Et puis j'ai commencé à regarder derrière les disques. Et puis j'ai vu que le film était dedans. J'ai dit, bah. Parfait. Donc Albator, vraiment super content. Voilà, ça ira avec le Albator 78. Voilà, donc super content. Donc Albator, bah, je pense que tout le monde connaît. Je vais pas à présenter l'histoire. Enfin, l'histoire d'Albator, quoi. Donc, et de son équipage. Donc, voilà, j'ai rien à présenter. C'est énorme. Si vous connaissez pas, voilà, bah, regardez, parce que c'est des classiques, quoi. Rien d'autre à dire. Donc, des classiques. Donc, hop. Et donc. Et j'ai pris, donc, la suite. C'est pas la suite, c'est.
C'est voilà, c'est une autre adaptation. Donc en 13 épisodes, c'est Capitaine Herlock, Space Pirate, donc Capitaine Herlock qui est le nom original donc de Albator, donc Capitaine Herlock, Space Pirate, que celle-là je n'ai pas vue. Voilà, sortie celle-là en 2001, donc ça, voilà, j'avais pas entendu parler. C'est donc l'adaptation donc moderne de l'œuvre de Leiji Matsumoto, et c'est à la fois donc plus adulte, plus sombre et plus humaine que voilà qui est servi, parce que là c'est plus en, on va dire plus enfantin, moins sombre. Là c'est plus pour les adultes, c'est plus sombre. Donc voilà, si vous aimez les séries ou même mangas plus sombres, bah regardez, parce que c'est vraiment voilà, plus sombre, donc plus intéressant. Donc si vous voulez, je vous le dis ce qui a marqué. Des extraterrestres à l'apparence de spectres répondent au nom de nous, ont débarqué sur Terre. Dadashi Daiba fait leur rencontre chez lui alors qu'ils viennent de tuer son père. Tandis qu'il s'apprête à s'en prendre au jeune homme, celui-ci est sauvé in extremis par Herlock, le pirate de l'espace disparu depuis 20 ans. Il lui propose de le rejoindre à bord de son vaisseau spatial, l'Arcadia, dont il a retrouvé l'équipage. Débute dès lors le combat de ce duo contre les nous, donc, alors que la Terre disparaît, frappée par un étrange rayon provenant de l'espace. Voilà, donc c'est une édition donc Golden, comme j'avais dit tout à l'heure, D-Bex, voilà, donc pareil que Berserk. Donc voilà, donc, très beau, voilà, en édition donc 4 DVD par contre, là, voilà, très belle photo. Oui, voilà, donc pareil, hein, l'équipage et tout. Et donc on a le même système à chaque fois, hein, voilà, le même système là. Là, voilà, 4 DVD, donc il y en a voilà, un qui est comme ça, vous voyez. Donc le premier truc est ouvert, ensuite après c'est des trucs. Et donc toujours un petit livret, voilà, c'est vraiment sympa un petit livret. Donc pareil que pour Berserk, là. Pour les éditions d'Ibex, c'est toujours le même, hein. C'est d'abord les voilà, quelques photos, ensuite l'histoire ou le résumé des épisodes, et ensuite ils parlent de l'auteur, des personnages, voilà, c'est toujours... C'est toujours comme ça. Donc voilà, très sympa ce petit livret. Voilà, si vous, moi j'aime pas en fait regarder, voir le résumé des épisodes, parce que on va pas dire ça me spoil, mais voilà, ça me dit ce que ça raconte. Mais voilà, moi je préfère découvrir sans lire les résumés. Donc voilà, donc Capitaine Herlock, très content. Donc voilà, ça fait que j'ai les trois. Alors, je vous montre. Hein. Donc je mets dans l'ordre. Hein, c'est comme ça. Donc Albator 78, 84, Capitaine Herlock. Et donc, il me manquera à acheter donc, le film sorti il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, et La Jeunesse d'Albator. Et j'aurai donc l'intégrale des Albator, que je compte me prendre très bientôt. Faites-moi confiance. Voilà. Et donc, suivant, donc celui-là, je ne le connais pas non plus, mais j'ai aimé parce que ça, c'est à la sauce, donc c'est marqué à la sauce des Western Spaghetti, donc des... Moi, j'adore ça, hein, vous savez, hein, les Serge Léon. Il est toujours là, le coffret sur mon bureau. Ouais, il est là, je le montre. Et donc, je me suis pris, donc, que je ne connaissais pas, mais comme j'ai dit, hein, c'est l'univers Western Spaghetti. Et donc, voilà, donc ça m'a intrigué, et l'histoire était pas mal, donc j'ai dit, allez, je le prends. C'est Trigun, voilà, donc pareil, en édition collector. Donc, je vous dis, hein, tout ce que j'ai pris, c'est 5€. Tous. Voilà, même le dernier gros coffret que vous verrez, c'est 5€, à part ça, hein, j'avais déjà, bien sûr. Mais voilà, tout est 5€. Et bah je vous dirai à la fin combien en fait on a payé. Parce que. 10, 15. Ouais. On n'a pas payé le prix que si on vous calculez, ça fait. On a payé. Voilà. On a payé à deux. Il a payé le plus cher que moi j'ai payé. Parce que voilà, c'était pas non plus. Voilà, on n'est pas riche chacun. Donc c'est pour ça que j'ai dit bah tu m'en prends là. Moi j'en prends. J'en achète un. Moi j'ai acheté le dernier. Donc voilà. Donc Trigun, revenons à Trigun, donc en 26 épisodes. Donc avant de vous, je vais vous lire. Donc sur une planète brûlée par les rayons des deux soleils, des colons d'un autre temps traînent leur misérable existence dans des petits villages qui rappellent le Far West américain. Vache de Stampede appartient à ce monde sans foi ni loi. Grand, blond, baraqué, les cheveux coiffés en bêta, il porte le doux surnom de Typhon humanoïde. Il est accusé d'avoir anéanti des villes entières, de terroriser les femmes et d'avoir commis divers actes odieux et indéterminés. Recherché mort ou vif, la prime placée sur sa tête s'élève à 60 milliards de dollars. Il est par ailleurs perpétuellement suivi par Meryl et Millie, deux jolis agents d'assurance chargés de prévenir ses futures catastrophes. Le pire, c'est que Vache est un grand pacifique qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais sa maladresse atteint des sommets. Voilà, donc c'est lui, hein, celui qui disait. Et donc là, donc des images donc, bah, du manga. Voilà, donc très belle image par contre là. Voilà, hop, deux belles images. Et donc voilà, pareil, c'est toujours... C'est toujours pareil, hein. Hop, voilà. Donc c'est toujours le même système de... Par contre, celui-là est à l'envers.
C'est toujours le même système. Voilà, donc voilà. Parfait, toujours le même système. Et donc toujours le livret, donc le même. Là c'est pareil. Donc hop, très beau. Donc ça rappelle bien les Western Spaghetti, ça se voit. Hein. Vous voyez, ça se rappelle un peu le Western pour ceux qui connaissent l'univers. Donc là on a l'introduction du manga, de la série, et donc les résumés des épisodes. Et pareil, l'auteur, les personnages, des dessins, voilà. Très beau. Et voilà. Donc très content avec voilà. Donc voilà, très content, donc je découvrirai ce manga dès que je commencerai. Hop, donc en 26 épisodes. Donc on a tout le temps sur un VF, VOST. Voilà. Donc voilà, donc très content, belle édition, pareil. Donc voilà, impeccable. Ensuite, je vous montrerai. Donc un autre classique, voilà, que j'ai, je ne connaissais pas. Carnot m'a parlé, m'a dit que c'était un classique, et moi je me suis renseigné et j'ai vu que ça avait l'air pas mal. C'est la première box de Cowboy Bebop. Voilà, donc épisode 1 à 14. Donc je vais vous lire derrière. Donc les guerres et la pollution ont rendu la vie trop pénible sur une terre désormais surpeuplée. Les hommes ont abandonné leur planète bleue et se sont répandus dans le système solaire à la recherche de nouvelles frontières. Le temps est venu pour l'humanité de coloniser l'espace. Ainsi est né un nouveau Far West dans lequel les pionniers modernes ont créé une société très cosmopolite. Une nouvelle ère a commencé, nous sommes en l'an 2071. Spike Spiegel et Jack Black, chasseurs de primes perpétuellement fauchés, errent dans l'espace au gré de leur mission et dans un nuance plutôt 70s. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a donné envie, truc 70s, les musiques et tout. Et donc voilà, c'est en 3 DVD, donc en 3 volumes, donc volume 1. Volume 2 et volume 3, donc on n'a rien dedans, c'est les épisodes. Il y a combien d'épisodes par voilà, il y a 5 épisodes par DVD. Donc voilà, donc Cowboy Bebop box 1, et bien sûr j'ai pris donc la box 2 avec, hein. Bon, par contre ça a été 5 euros chacun, enfin oui, c'était 5 euros chacun. Donc voilà, donc là on a de l'épisode 15 à 26. Voilà, donc tout neuf, hein, voilà, donc c'est pareil, hein, ça se met comme ça. Donc volume 4, 5 et 6. Voilà. Donc très content aussi. Donc voilà, ça m'a l'air vraiment d'être un bon manga. Donc voilà. Donc Cowboy Bebop, donc les deux box. Et donc il m'a de passer aussi. Donc ça c'est avec, donc c'est gratuitement. Il m'a passé donc le film Cowboy Bebop. Donc c'est bien un film et pas une OAV, parce qu'une OAV, pour ceux qui connaissent, une OAV ça dure 40 minutes, 40-45 minutes. Et donc là c'est vraiment un film, parce que le film donc dure, j'avais vu, 1h51. Voilà, donc c'est vraiment un film et non une OAV. Enfin, moi je me suis dit une OAV ça peut être un film. Alors non, mais non, il m'a dit c'est compliqué, il s'est dit ça peut être un film. Il m'a dit en tout cas, je dis un film alors. Il m'a fait, ouais, dit Cowboy Bebop le film quand c'est marqué. J'ai dit, voilà, donc, voilà, le film, donc j'ai eu gratuit. Donc, très content d'avoir l'intégrale. Parce que c'est comme Helsing, il manque les deux films, donc il faudra que j'achète, ou si je les trouve en cash. Mais bon. En cash, c'est souvent Easy Cash qu'on voit beaucoup, beaucoup les mangas. Dans mon cash, à moi, dans ma ville, il n'y a jamais quasiment des mangas. Mais bon, j'irai voir quand j'aurai mon argent d'anniversaire. Donc, il est le 17 juin, mon anniversaire, donc voilà. Si ça intéresse certaines personnes, comme je disais, à faire des vidéos pour mon anniversaire le 17 juin, faites-le, ça fera plaisir. Je vous montrerai en vidéo, comme j'avais fait une fois, donc avec mon téléphone, je le mettrai là, devant la caméra, comme ça. Et je vous montrerai, voilà, comme j'avais fait, tant que je ne fais pas de montage. Donc voilà, donc pour en revenir, donc Cowboy Bebop, le film, donc voilà, donc c'est la série, donc je vous lis aussi ce qui a marqué. Année 2071, planète Mars. Alba City, des dizaines de personnes meurent dans l'explosion d'un camion-citerne, et d'autres bien plus tard, succombent à une mystérieuse maladie. Le gouvernement croit à une attaque bactériologique et offre une forte récompense pour la capture des terroristes. Toujours à court d'argent, les chasseurs de primes du Bebop relèvent la mission et vont tenter de percer le secret de cet odieux attentat. Voilà, donc ça a l'air d'être vraiment, vraiment très cool, donc voilà, très content. Et là, on passe à celui que j'ai acheté, donc là, c'est vraiment... En plus, c'est une affaire, parce que ce coffret, allez le trouver au prix que je l'ai pris. Voilà, c'est l'intégrale d'un manga que voilà, j'aime bien. Voilà, que j'ai vu une fois et que je me regarderai. C'est Suspense. Donc, c'est l'intégrale de Death Note. Voilà, donc je pense que beaucoup de gens doivent... Attendez, je vais essayer d'équilibrer pour le poser assez...
pour que vous voyez. Hop. Donc c'est l'intégrale. Attendez. Si je mets là. Si je mets là. Voilà. Donc c'est l'intégrale. Oula, ça fait trop. Bon, bref. Voilà, bref. Donc c'est l'intégrale de Death Note. Voilà. Donc avec le. Donc vraiment l'intégrale. Intégrale. Donc avec les trois. La série entière. Donc en trois. En trois volumes, quoi, en trois coffrets. Et les deux films. Plus. Voilà, plus les OST, donc l'anime original soundtrack. Voilà, donc vraiment l'intégrale. Et j'ai payé ça 5 euros. Voilà, donc vraiment payer 5 euros l'intégrale de. Parce qu'en tout, en fait, je vais vous dire, pour tout ça que vous avez vu avec ça, en tout, on a payé 30 euros. Voilà, pour tout ça, hein, pour les tout, à part Albator 118, pour tout ça, j'ai payé 30 euros. En tout, tous les deux, donc voilà, moi j'ai payé 5 euros, voilà, je le dis, j'ai payé 5 euros, donc voilà, donc je vais vous montrer, voilà, donc on va commencer, non, Julie, voilà, donc c'est ça, donc par le premier, alors Death Note, c'est l'histoire simple, donc alors le nom du mec, je ne m'en souviens plus, c'est un mec donc, qui trouve un livre, donc le Death Note, et qui va, au début, il va pas savoir c'est quoi, mais il va voir la notice, parce qu'en fait, c'est un livre avec une notice dedans. Et puis, bah, tous les noms qu'il marquera, les gens, il devra marquer le nom et comment il veut qu'il meure, et les gens mourront. Et il va commencer à faire ça assez souvent. Voilà. Et puis, bah, quand les agents du FBI vont voir tous ces meurtres, et, bah, ils vont commencer à essayer de comprendre et à rechercher celui qui fait ça. Et donc, vous allez voir que c'est plus compliqué, voire d'avoir c'est compliqué d'avoir ce pouvoir, quoi. Donc voilà, donc la première, le premier volume, premier coffret, voilà, donc très beau, hein, avec les images. Donc je vous dis, je l'ai vu qu'une fois, donc je pourrais pas vous en parler comme si, voilà, comme les BZ, trucs comme ça, parce que ça, je l'ai vu qu'une fois, j'ai vu d'un trait, et après, voilà, mais ça m'avait vraiment plu. Je crois, moi, pour moi, alors, faudra me dire, s'il n'y a pas un film qui est pareil. Moi, il me semble que j'ai vu un film qui est pareil où il écrivait le nom de la personne mourait, quoi. Donc, il faudra me dire, mais il me semble, je suis pas très sûr. Mais bon, voilà, Death Note, la box 1. Ensuite, la box 2. Voilà, quand vous regardez, des fois, à part en cash, il faut avoir de la chance pour les trouver. Moi, je me rappelle, je l'ai jamais vu. Mais si vous voulez les avoir en neuf, bah, ce coffret, déjà, il n'existe pas, l'intégrale. Et puis, voilà, ça coûte la peau du cul d'acheter un volume. Volume par volume, je crois que ça coûte 20 euros. Chaque volume, bah, voilà. 20 plus 20 plus 20, ça fait 60. 60 pour tout, là j'ai payé 5 euros avec les films et tout. Et donc voilà la dernière box, donc le volume 3. Combien y a-t-il d'épisodes 36. 37, pardon, 37. 37 épisodes, voilà. Donc 37 épisodes, donc en 3 box. En 3 coffrets, 2-3 DVD. Et donc les deux films. Alors le premier c'est quoi? Voilà, Red Light 1, donc la vision d'un dieu. Donc l'essentiel de l'affrontement entre Light et elle à travers les yeux de Ryuk. Donc Ryuk, je crois que c'est lui. Voilà. Celui-là dure 2h10. Vous voyez, donc c'est un film. Enfin, voilà, c'est une OST, quoi. Et donc, voilà, c'est. Et ensuite le deuxième film, donc La relève de elle. Qui parle de la relève de elle. Et donc celui-là, donc pareil en français, VO et VST, et 1h33 pour celui-là. Voilà, donc vraiment, vraiment très, très, très content. Donc ensuite, là, attendez, je vais déjà ranger le coffret. Donc, les deux films. Voilà. Ensuite, donc je remonte, hein, box 3, box 2, et box 1. Voilà. Moi, j'adore ce personnage, je le trouve très classe, ce personnage. Voilà. Alors, son nom, je vous ai dit, je m'en souviens plus. Ça fait très longtemps, hein, c'est... Quand j'ai vu ça, je crois que j'étais en fin de seconde, donc c'est il y a 2 ans déjà, donc voilà. Et donc là, on a donc l'original soundtrack dans un DVD, parce qu'il y a, voilà, le Music Note. Voilà, avec... voilà, avec des photos. Vraiment un très beau papier. Vraiment un très très beau papier. Je vous montre, hop, voilà les photos. Voilà là, les personnages, tous les personnages de l'animé, et donc des photos, et là, The World, voilà, translate, hop, c'est traduit, genre, voilà, hop,
Voilà, avec des photos, des. Voilà, très très beau. Très très beau. Et là, donc, on a le Music Note. Voilà, hop. Toutes les OST. Donc, il y en a 30. Voilà, et donc. Voilà, donc ça, c'est un groupe, donc Nightmare, donc je connais pas. Les musiques, bah, je verrai bah, en voyant le manga, quoi. En revoyant le manga, je vais voir s'il y a des musiques qui me plaisent, mais. Bon, c'est rare que les OST de manga me plaisent, ça dépend. Ça dépend, ceux de DBZ sont pas mal, de Naruto, il y en a qui sont pas mal. Voilà, faut que je vois. Voilà, quand je verrai, bah, sur celle d'Abator, le début, j'adore, c'est en français. Mais bon, voilà, donc le Music Note, donc avec. Bah voilà, donc pour tout ça, on a payé 30 euros, donc pour bah, un intégral, deux intégrales, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 intégrales, donc, dont celui-là qui est rare à trouver, surtout ces éditions intégrales. Donc il m'a dit qu'elle était allée un peu d'occasion, parce que lui-même l'avait acheté d'occasion. Bah, je pense que c'était à Easy Cash, parce que ça se voit à ici. Voilà, c'est les mêmes papiers qui sont accrochés là. À chaque fois que vous achetez un coffret, pour ceux qui voient, c'est toujours, il y a toujours une étiquette là, voilà, qui est ici. Donc voilà. Donc bah, je vais vous remontrer pour ces achats aujourd'hui. Donc très très content. Donc on a l'intégrale de Death Note. Voilà, donc les tout, voilà, avec les deux films et donc l'intégrale de la série. Plus donc l'original soundtrack, donc le Music Note. Voilà, on va mettre ça là-bas. Voilà, on va mettre ça là. Ensuite, on a l'intégrale, donc, bah là, 5 euros. Je vous dis 5 euros. Ça devait faire. Mais en tout, donc 30 euros pour le tout, c'est vraiment un bon prix. Un prix de bâtard même, voilà, je vais le dire. Un prix de bâtard. Même lui, il m'a fait, ouais, Death Note, c'est un peu abîmé. Je lui ai fait, ouais, mais bon, pour le prix où vous le mettez. Moi, voilà, au prix où vous me le faisiez. Parce que d'habitude, c'était 10 euros Death Note et le reste, c'était 5 euros, sauf Cowboy Bebop qui était à 5 euros chaque box. Mais il m'a fait bah, le tout à 30 euros. Donc ça fait. Ouais, 6 fois. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, en gros, Death Note, je le paye pas, quoi. Ou je paye pas une des box. Mais je pense que c'est plus Death Note que je paye pas, ou un des coffrets, parce que comme tout est 105 euros, bon, on va pas chercher ce que je ne paye pas. Ensuite, donc, Cowboy Bebop, le film. L'intégrale donc de Cowboy Bebop en deux box. Ensuite, ça c'est notre dernier, le meilleur en dernier, donc Trigun. Voilà, donc. Voilà, très content, on commencera. Berserk, énorme, vraiment un super manga. Si vous aimez tout ce qui est gore, prenez ça, vous allez kiffer votre race. Sur la vie de Tatane. La vie de Tatane, je rigole. Donc voilà, Berserk, énorme. Et donc, bah, pour moi, le meilleur que j'ai eu, c'est donc bah, déjà Albator 84, voilà, énorme. Et Capitaine Herlock, voilà, pour moi, le meilleur les deux meilleurs, donc avec Death Note, vraiment. Death Note, c'est quelque chose que je cherchais depuis très 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 longtemps, pour pas mentir. C'est vrai que c'est un truc que je cherchais depuis très longtemps. Et ben là, je l'ai trouvé en super intégral. En plus, je suis tombé par hasard sur son annonce. J'étais donc je raconte ma vie, pour voir sur Saint-Germain-en-Laye ce qu'il y avait. Et j'ai vu qu'il vendait des. Je vous ai pas montré, hein, sur les éditions Gold, sur toutes les éditions, c'est en relief. Voilà, je vous montre pour une. Voilà, c'est en relief. Et donc voilà, j'étais sur Saint-Germain. Et puis j'ai vu qu'ils vendaient ça 5 euros. Et j'ai cru que 5 euros c'était une. Et après, des fois, il y en a qui mettent 5 euros et les autres sont à 100, 150. Et là, je voyais que c'était 5 euros tout. Et puis, voilà, j'étais avec Arnaud et tout. Et puis, il me disait, ouais, pour ton anniversaire, je sais pas ce que je vais t'acheter. T'as pas réfléchi et tout. Je dis, bah, sinon, il y a ça. On a regardé ensemble. On a trouvé ça intéressant. Et puis après, j'ai demandé ce que je voulais. Et j'ai fixé un prix. Donc j'ai dit 30 euros pour le tout, s'il voulait bien, il m'a fait aucun problème. Et je lui dis, il m'a dit en plus, pour les si vous, voilà, il m'a dit si vous prenez à 30 euros, je vous passe donc le Music Note et le film Capitaine Bebop. Il disait qu'à certains, quand on prenait conséquemment, enfin conséquemment ça veut rien dire, mais si on en prenait plusieurs, voilà, on avait ça. Donc voilà, j'étais content. Quand il m'a dit oui, voilà, j'étais content. Bah, voilà, donc j'ai payé 5 euros, on va dire. Voilà. Donc voilà, encore un gros merci à Arnaud pour ce qu'il m'a offert, et un gros merci à moi pour, voilà. Et un gros merci au vendeur, donc je sais pas s'il se reconnaîtra, mais bon, voilà. Et puis voilà, il lui reste quelques trucs qui ne m'intéressaient pas, moi. Il avait Hellsing, mais j'ai déjà le coffret, moi, de l'intégrale. Donc, ça ne va pas à le prendre, quoi, Hellsing, donc voilà. Donc voilà, donc c'est sur ce que je vais vous laisser, donc je vous
vous ai déjà remontré, donc je vais pas vous remontrer tout. Donc voilà, bon, je peux vous faire une vue d'ensemble, je sais, j'en ai lâché un. Une vue d'ensemble, voilà, Cowboy Bebop, Trigun, Death Note, voilà, Berserk, Capitaine Herlock, Albator 84. Celui que j'ai lâché, donc c'est le film. Et donc voilà, ça c'est donc mon Albator à moi que j'avais. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, donc spécial manga, donc plus donc avec ce que Raphaël m'a donné, donc un gros merci à lui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à commenter, à dire ce que vous pensez des mangas que j'ai présentés, si vous connaissez, si vous connaissez pas, si je vous ai donné envie. Franchement, c'est que des mangas que je vous conseille de voir, surtout les Albator, c'est des classiques. Death Note, pareil, hein, c'est un bon manga, voilà. Berserk, bah, un bon manga, voilà, c'est assez gore. Trigun, bah, Trigun et Cowboy Bebop, c'est pour ceux qui aiment les westerns. Voilà, c'est intéressant sur les mercenaires et trucs comme ça. Donc voilà, donc c'est sur ce, moi je vais vous laisser. Donc je ne sais pas quand je referai une vidéo, sûrement dans la semaine. Oui, dans la semaine, je vous ferai peut-être une vidéo, si j'ai des achats ou une petite vidéo comme ça. Voilà, on verra bien. Donc moi, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, un bon visionnage. Voilà. Allez, salut !